Qualitad est un éditeur de logiciels français. Nous avons été créés en 2016. Nous sommes 25 collaborateurs répartis sur 3 sites, entre Casablanca au Maroc, Barcelone en Espagne et Boulogne-Billancourt en région parisienne en France. Nos solutions SaaS ont pour vocation à répondre à 4 enjeux des organisations, que sont la gouvernance et la qualité des données, qui permet donc d'assurer une fiabilité optimale des informations d'une société, d'assurer également les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne, d'audit interne et plus récemment d'évaluation des tiers qui permet à toute organisation de pouvoir suivre la conformité, les engagements contractuels et les performances commerciales de leurs sous-traitants. Nous avons 2 spécificités. La première, c'est l'autofinancement et l'indépendance. Après avoir accueilli en 2018 des partenaires financiers pour nous aider à concevoir nos produits, que sont donc M Capital Partner, depuis 3 ans, nous sommes complètement autofinancés, ce qui nous permet finalement d'être complètement agnostiques des fluctuations de marché et d'avoir une croissance pérenne et sereine. La seconde, c'est un fait exceptionnel et nous en sommes très fiers, c'est que depuis la création en 7 années d'activité, nous n'avons aucune perte client. Et ça, c'est le résultat d'un engagement collaboratif extrêmement fort, d'être dédié entièrement à nos clients dans tous les projets que nous concevons avec eux. Les ressources humaines sont une pierre angulaire de notre organisation, de notre démarche. J'ai toujours eu à cœur, à titre personnel, d'être très engagé sur ces thématiques. Alors, 2022 a été une année exceptionnelle pour Qualitad, puisque c'est une année d'investissement. Nous avons décidé d'investir sur 2 thématiques. La première, c'est sur la technologie. Donc, nous avons déployé un nouveau module fonctionnel, qui est donc l'évaluation des tiers. Puis, nous avons aussi investi sur l'ensemble de nos produits logiciels, puisque nous les faisons évoluer significativement. Ensuite, la seconde thématique, c'est autour des ressources humaines. Nous avons ouvert donc en 2022 une filiale à Barcelone et également nous avons investi sur nos locaux ici à Boulogne-Billancourt pour tout simplement accueillir un maximum de partenaires et surtout faire bénéficier d'un bien-être très concret à nos collaborateurs. Pour nous accompagner dans cette démarche d'investissement, nous avons accueilli en 2022 2 nouveaux partenaires forts que sont BPI France et Banque Populaire Rive de Paris. Qualitad a un ADN assurantiel. Nous avons co-construit nos solutions avec 2 grands assureurs de place que sont le groupe Covéa et CNP Assurance. Nous avons travaillé sur des usages à haut niveau d'exigence autour de la conformité et depuis maintenant 2 ans, nous travaillons sur de nouveaux usages. Notre ambition sur les 2 prochaines années, c'est de poursuivre ce développement d'usages multisecteurs et également de travailler sur des sujets d'intelligence artificielle. Un exemple concret, dans les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne, vous allez pouvoir déclarer des incidents et à la différence de ce que vous voyez aujourd'hui, donc des outils qui vous permettent de déclarer, eh bien nous allons aller plus loin puisque les déclarations d'incidents vont vous permettre tout de suite de bénéficier de propositions de remédiation. Et ça, c'est une différence significative dans l'évolution des usages sur ces métiers. La seconde ambition, elle est autour de la relation client et du marketing. Nous avons mis en place toute une stratégie de rencontres utilisateurs sur cette année 2023 et sur les années qui vont suivre. Et nous allons multiplier en fait ces éléments d'événementiel pour pouvoir permettre une plus grande proximité entre nos équipes et nos partenaires et nos clients, et aussi pouvoir construire de manière beaucoup plus rapprochée des histoires communes sur les années qui vont suivre. 3e ambition, elle tourne autour du produit et de la technologie. Très simple, nous avons décidé pour renforcer en fait toute l'intelligence que nous développons et nous concevons dans nos logiciels, d'apporter une dimension humaine. L'enjeu est faire en sorte que l'ensemble des sous-traitants, des tiers, dans le cadre de l'évaluation des tiers par exemple, que ces collaborateurs puissent tout simplement compléter, apporter en fait tous les éléments dans les dispositifs attendus. Et donc, pour une première, nous avons décidé de mettre en place toute une équipe d'opérateurs qui vont accompagner ces tiers, ces délégataires dans la complétude de leur questionnaire et donc de permettre aux organisations et aux dispositifs de manière plus large d'évaluation des tiers, d'être engagés finalement aux résultats plus qu'aux moyens.